Varela, Henriade qui est au centre, à son extérieur, Galo Brasil avec une grosse faute, mais son jockey qui reste en selle pour l'instant, le numéro 4. Quel numéro d'équilibre? Oui, c'est tombé ou pas, Marc? Non, non. Olivier Bellet. Il n'est pas tombé. Enfin, il est tombé en montée, comme dirait. Parce que. Oh là 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 là. À gauche, ah, à droite, magnifique. À gauche, à droite, et il est resté en selle sur Babylone Lori. Non, surtout dans une course d'apprenti. Oh là, Alain Deschamps qui vient de se pointer, qui s'est cabré et qui était mort du Val d'Estaing. Et s'il le gardait en main, mais. Explosé, il a complètement cassé le sulky. Et l'autre jour, Manuel Ajolivet disait « Oh, c'est drôle qu'un maquin ne court pas beaucoup d'handicap. » Ben non, il ne court pas beaucoup d'handicap parce qu'il court que quand il peut. Voilà. C'est un très, très, très bel après-midi de sport. Hop, oh, un peu loin. Saut. Oh là, énorme là, très, saut. Très loin. Eh, oui. Incroyable. Alors, là, incroyable. Ça, c'est du jamais vu à Pau. Il n'a pas hésité et il saute bien le vertical. Mais là, bon. Et là, évidemment, une foule après. Incroyable. Quel est le temps de la course? Ça, c'est intéressant, c'est dans le temps. J'ai pas le temps, on va nous dire. Allez, le cheval est incroyable, il vole. Là, on prend tout quelques mots en français pour le public français. Je sais que vous parlez français. Oui, oui, là, c'est un grand course, c'est un grand champion. Les 200, les derniers 300 mètres, trop vite. Je crois. Coltonwood, Amiran, Coltonwood, c'est très pointu, Amiran qui s'impose. C'est bien connu, il fait toujours beau en Bretagne. L'eau ici est à 24 degrés, 12 le matin et 12 l'après-midi. C'est toujours la situation, alors que l'on voit derrière se rapprocher côte à côte, très près de lui, Avirco du Mou, le numéro 3, et un brin de Lille qui essaie de se rapprocher à son tour. Peu de partants, comment Christophe va-t-il le monter? Au feeling. Il va gérer au feeling. Manasek, un mot de Manasek également. Je ne veux pas prendre l'antenne trop longuement, parce que l'autre jour on m'a coupé. J'avais des choses intéressantes à dire. La régie coupe des choses dans les interviews. Et c'est très désagréable. On est bons clients, comme on nous dit souvent. On n'a pas grand-chose à revendiquer. Je vous confirme, Jean-Claude Rouget. Alors, si on est bons clients, on nous laisse dire ce qu'on a à dire. Voilà. Donc je serai le plus bref possible. Sinon, ça va couper. Tout va bien pour, dans quelques instants, tirer la boule. Ouais, tout va bien. J'avoue que je suis un peu étonné de... Oui, avec malheureusement Olivier Pellier qui a un problème d'étrier. Il a toujours l'avantage avec le numéro 2 à Loa, mais il est en mauvaise posture au moment où ils abordent la descente. Pour l'instant, Olivier Pellier qui a mis le bâton entre ses dents, qui n'a plus de pédale à gauche, et qui l'a à droite à cet instant. Un grand numéro d'équilibriste hein, pour Olivier Pellier. Elliptique est dans son dos. Les French Chevy maintenant qui tentent de progresser. Ça y est, Olivier Pellier qui a remis ses étriers, qui a repris son bâton à gauche, et pendant ce temps, on accélère à l'extérieur. J'étais son partenaire, voilà, on voit quelques images. Il est parti. Ensuite, il a voulu se diriger vers une haie. Vous allez voir, on va peut-être aller au bout de l'image. Il va faire pile. Hop, alors là, ça, j'avais pas vu ça. Ah oui, il a sauté la lisse, là, mais j'avais pas vu ça. Ah non, oui, il a cassé la lisse. Il va se relever, il va foncer sur la haie et il va s'arrêter juste avant. J'ai fait que la caresser, la détendre tout le parcours. Elle a voulu tirer. J'ai vraiment joué un peu avec mes doigts et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu la détendre. Emmanuel Gloria, ouh, elle a une belle chance de gagner la dernière. Emmanuel est au sulky du 5 Ulco de Riez. Et à côté, Anthony, bien sûr, elle doit être très heureuse. Ah oui, mais bon, c'est un homme, malheureusement pour vous, PJ. Ah zut. Oui, zut. Ah ben, Emmanuel. Il en faut pour tous les goûts. Brise des épines, qui le coup là, on s'est accroché entre brise des épines et le 12. Ouh là là, on va tomber, on est tombé. Alors, moi j'ai mis en tête Jason Bourne, donc le 710. Bourne, vous avez raison.
qui reste sur 2-3 de handicap, donc au top, oui. Et qui trouve ici l'occasion de gagner. On that price, number 8 is the favorite, opening up at 4.8 into 3.9, and that is Hailstorm. Go down the page then to number 14. Et puis pour le team Capit, Calon Ségur, il a pour lui son aptitude à la piste. Oui. Maintenant en valeur, il est un petit peu surclassé. Et Calon Ségur est non partant. Pas Calon Ségur, qu'est-ce que je dis. El Tritano, pardon. Pareil, non partant. Les deux ? Oui, les deux. Ah bon, on va dire, je n'ai pas trop cru dans une droite. C'est au côté de As de cœur, avec ensuite la casaque du prince Abdullah. C'est l'As classification qui a un petit peu. Le bon Deagle est sur le stéric. Mohamed notre voir, Mohamed notre home. Et c'est le best. The Eagle is flying home. Bon Deagle, into here. Bon Deagle, Billy de Montfort trade. En place 3. Peut-être à revoir le programme de cette jument et de la garder sur les longues distances comme aujourd'hui. Voilà, à vos équipes, hein, pour toutes les images aujourd'hui proposées. Merci à tous et à très vite. Au revoir.